Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis Christophe Lemaitre, pigiste indépendant, je travaille pour CNRS Télévision. Bon madame, nous travaillons sur un sujet à savoir la réalité du Covid-19 dans la ville de Douala. Madame, à votre avis, est-ce que le Covid-19 est réapparu dans la ville de Douala? Eh oui. Pourquoi madame pensez-vous que le Covid-19 est de retour dans la ville de Douala? Je travaille dans un milieu hospitalier où on nous envoie des cas pour faire des examens des scanners thoraciques à récurrence. Et la plupart des scanners, des patients qu'on nous envoie sont atteints soit à 40, soit à 80, 60, parfois même à 90% du Covid. Et puis nous fait constater que la maladie est réelle, elle existe et elle a repris la forme et elle est plus virulente qu'avant. Dites-nous un peu, quelle est la fréquence de la réception des patients souffrant du COVID-19 dans votre établissement hospitalier? Par jour, nous sommes au moins 4 patients. Pendant une semaine, on a une vingtaine de patients atteints tous du COVID-19. Qu'est-ce qui vous amène à croire que ces patients réellement sont atteints du COVID-19? On leur fait passer un examen spécifique, à savoir le panel thoracique. Et au bout de cet examen, on découvre qu'ils ont des problèmes et des lésions au niveau des poumons, des difficultés à respirer. Et on fait la comparaison, on se rend compte qu'ils sont effectivement atteints du COVID-19. Si vous avez un mot à dire à nos concitoyens en rapport avec la maladie, qu'est-ce que vous leur direz? De toujours porter le masque, de se laver les mains et d'appliquer la distanciation sociale, car la maladie est réelle, elle existe et elle fait des ravages. Merci madame. Merci monsieur.